Les rencontres cinéma Martinique se terminent ce soir avec la grande soirée de clôture à l'Atrium. Pas moins de 13 films caribéens étaient engagés dans les compétitions de courts-métrages et de documentaires, et c'est donc ce soir que les lauréats seront connus. L'autre compétition qui s'est déroulée pendant ce festival, c'est le Mobile Film 2.0, une initiative originale pour les 15-25 ans qui avait comme finalité la réalisation d'un clip vidéo à l'aide d'un simple téléphone portable. Plusieurs artistes tels que Métis, Paille ou Stella Golnis ont mis à disposition des titres pour soutenir le projet. On a décidé de mettre en évidence des clips pour une raison simple, pour l'amour de la musique que l'adolescent en général pratique du matin au soir, et puis pour la complexité ou au contraire la simplicité de l'exercice, prendre une chanson et puis l'accompagner, l'imaginer, la rêver. Voilà. L'autre grande nouveauté de cette édition 2016, c'est un film documentaire tourné pendant la durée du festival. Christian Forêt et Émeric Cattenoz, deux réalisateurs aux horizons différents, se sont associés pour écrire un film sur les formes alternatives artistiques de la Martinique. L'idée, c'est d'avoir deux regards croisés. Et d'avoir quelqu'un qui vient de Paris, donc moi, qui a un regard très neuf, quelqu'un qui, lui, est martiniquais, qui connaît cette ambiance, cette culture, ces artistes. Et surtout, on voulait dépasser un peu peut-être les 3-4 artistes les plus connus, essayer d'aller creuser un peu des artistes qui ont soit une démarche alternative, soit une pratique alternative, en disant que ça ne peut pas être quelque chose d'exhaustif, mais qu'au moins ça permettra de creuser un peu des pistes, d'ouvrir des fenêtres. Mais je voulais justement que tu me donnes ton avis sur le monde. La particularité de ce travail-là particulièrement, c'est parce qu'Emeric étant quelqu'un d'assez sensible, alors je lui dis là comme ça, mais du coup ça nourrit, si tu veux, ma propre sensibilité, c'est-à-dire que la fraîcheur de son regard et son espèce d'innocence, moi, me fait me poser des questions sur des choses que je connais déjà en fait. Et donc du coup, ça me fait non pas changer de point de vue complètement, mais aller faire un petit pas de côté par rapport à des choses que je connais. Et du coup, ça me donne une autre réflexion sur ce que je vois autour de moi, quoi, le monde artistique tel qu'on l'a rencontré. Le fruit de leur travail sera dévoilé lors des rencontres cinéma 2017. D'ici là, vous avez encore jusqu'au 4 juillet pour voir ou revoir une sélection de films du Festival Amadiana dans le cadre des séances en VO.